les amis, je sais pas si vous l'avez vu sous le... Bah oui, quand je publierai cette vidéo, vous le verrez. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo que je suis en train de vous mettre en ligne. Mais je vais donc recommencer les vlogs, et en particulier les weekly vlogs. Parce que les daily vlogs, c'est pas trop possible quand j'ai cours. Je voulais vous prendre habillée et tout ce qu'il faut, mais avant j'avais encore la vaisselle à faire. Malheureusement, j'ai une de ces envies de vomir pas possible, donc je vais... Je crois que c'est moi qui déconne en fait, donc je vais faire une pause, vraiment déjeuner, parce qu'en fait j'ai juste bu un jus d'orange en me disant ça va passer, et puis voilà quoi, on fait pas passer une envie de vomir avec du jus d'orange, encore moins parce que c'est très acide. Donc d'un coup je vais prendre des céréales. J'adore la couleur de mes cheveux mouillés, juste quand ils sont mouillés, mais... Donc oui, dans le coup je vais prendre des céréales, je vais me poser 5 minutes et puis je vous reprends après. Il faut que je fasse la vaisselle et après je vais commencer à faire à manger. Enfin, des pâtisseries, donc on va faire des meringues en forme de fantôme, des cookies en forme d'araignée et des sablés en forme de citrouille, probablement. Parce que chauve-souris, ça me paraît compliqué, mais en forme de citrouille. Parce que nous sommes invités. Pardon, c'est Mélissa. Parce que nous sommes invités chez Megan pour une soirée Halloween. Et que voilà, je lui ai proposé de faire des pâtisseries. Et vous allez voir peut-être si elle accepte. Roxane, parce que dans le coup elle vient chez moi et elle va dormir chez moi ce soir. Voilà, voilà. Bon, il faut vraiment que je me pose pour manger. Bon, alors ici, comme vous voyez, les meringues sont prêtes. Il manque plus qu'à les décorer pour faire des beaux fantômes avec ce petit chocolat qui est fondu. Et puis voilà. Elles sont trop bonnes, je viens d'en goûter une, c'est très bien. Pourtant je me suis un peu loupée en les faisant, mais ça va. Et si vous vous demandez pourquoi elles ont cette forme un peu bizarre toutes, en fait c'est parce que je n'ai pas de poche à douille, et normalement j'utilise un sac congélation, mais bon, là j'avais la flemme de me prendre la tête. Donc dans le coup j'ai utilisé des grosses cuillères pour faire le premier tas là, et ensuite des petites cuillères pour faire le tas du dessus. Voilà, c'est pour ça. Méthode de feignante. Voilà, voilà. Hello les amis. Ah non, il n'a rien dit. On est mercredi... Non, on est jeudi 1er novembre. Hier, j'ai oublié de vous filmer la soirée chez Megan. Donc voilà, tant pis. Je suis pas maquillée, je vais bientôt l'être. J'ai remis mon truc de diable, mais je vais l'enlever. Hein. C'était juste pour commencer la vidéo. J'ai été comme ça hier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Oui, je vais me préparer parce que dans le coup, c'est le bowling aujourd'hui. Oh mon amour! Je te filme pas! Oh, il fait la gueule! C'est le bowling avec Megan, Mélissa, Chipon et peut-être un certain Miré. Normalement. Voilà, voilà. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai commencé le vlog et j'ai dit on est mercredi. Et je vous ai pas dit l'heure, mais il est 2h. 2h10. J'ai mal. Il est 2h10. Voilà. J'ai pas commencé le vlog ce matin parce qu'il y avait encore Roxane à la maison. Enfin voilà, donc bref. C'était un peu le bazar. En plus, on s'est couché tard, donc on était fatigués. Voilà, voilà, voilà. Et hier, j'ai pas dit, donc oui, qu'on était mardi. Nanana. Mais ce sera écrit en dessous, donc je m'en fais pas. Voilà, bon bah écoutez, les amis, je vais me préparer. Et voilà comment se termine notre journée bowling sous la pluie. Et il pleut pas qu'un peu, hein. Hello les amis, désolée, je vous prends... Donc là on est vendredi, ouais, vendredi. C'est le deuxième jour de congé d'islam et je me prépare, comme vous le voyez, avec vous, enfin avec vous, ouais. Désolée, mais tout est là en fait. Pour aller... En fait, normalement, de aller chez ma grand-mère pour dîner. Parce que depuis le mariage, elle nous invite. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, et ma cousine m'a proposé de me faire les ongles parce qu'elle a une formation pour tout ce qui est ongles. Les ongles en gel. Comme j'ai les ongles longs, ça m'arrange. Donc là,
Je me prépare parce qu'ils vont venir me chercher avec Bébilou. Voilà. Donc je me prépare. Et puis après, je vais manger. Et après, ce sera bon. Ils viendront me chercher. Donc là, il est, si vous vous demandez quelle heure il est 11h25. Et voilà. Et vous allez vous dire que je suis une grosse flemmarde. Mais pas du tout. Donc, évidemment, j'ai encore oublié... Non, mais c'est bien. Ils vont être très intéressants, mes vlogs. J'ai oublié de vlogger le bowling. Enfin, j'ai fait des snaps, mais c'est tout, quoi. Bref, c'était pas très intéressant. En plus, le gars, je vous déconseille le bowling de Boussy-Saint-Antoine, là. Le gars, c'est... Enfin, les gars qui tiennent ça, c'est vraiment des enflures. Hein. Alors là, je pèse mes mots. On y va. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas réservé, donc voilà. Le gars, il nous dit, faut attendre une heure. Ok, bon bah... On a fini au McDo, mais on avait réservé. Il nous dit, revenez dans 3 quarts d'heure. Mais nous, comme il nous avait fait attendre déjà pour le paiement, il nous a fait attendre facile 20 minutes sur le côté, allez, démerdez-vous. Donc, vu qu'il nous avait fait attendre pour le paiement, on s'est dit, ok, ouais, le gars, il va nous faire la même pour le bowling, on va arriver, il va nous dire, attendez encore. Donc, on y est allé vers... 50 minutes plus tard peut-être, un truc comme ça. Et là le gars il dit Islam, parce que c'est Islam qui lui dit on a réservé. Il dit Islam, bah ouais je vous ai déjà appelé. Non mais alors déjà, tu nous as déjà appelé mais bon voilà, on va pas attendre diplôme pour toi Coco. Donc il nous fait attendre, il nous donne nos chaussures finalement, heureusement. Il manquait plus que ça en plus. Et on va jouer. Sauf qu'au début, à côté de nous il y avait une petite qui avait les barrières. Sur la piste d'à côté. Et nous, on avait aussi les barrières. Donc, je suis partie voir le mec. Et je lui dis, excusez-moi, sur la piste 14, on aimerait que vous enleviez les gouttières. Enfin, oui, les barrières, quoi. Il dit, ok, pas de souci. Il commence à le faire. Le mec qui est à côté de lui, lui dit, non, mais il y a une petite. Et j'avais pas entendu ça, en fait. Il dit, non, mais il y a une petite. Donc, je fronce les sourcils. Et le gars, il dit, non, elle a dit, il faut enlever les barrières. Il dit ok, hop, ils enlèvent les barrières. Je reviens sur la piste et je vois quoi, ils ont enlevé les barrières à la fille d'à côté, mais pas à nous. Donc Islam va se plaindre et le gars il l'engueule. Il dit ouais, vous êtes pas sur la piste 13, vous me racontez n'importe quoi. Là. Donc je vous le déconseille. C'est vraiment des connards. Pour la peine, voilà. Publicité gratuite. Mais bon, on s'est bien amusé quand même. Donc si vous voulez le classement, Chipone est arrivé premier, je suis arrivée deuxième, Megan troisième, Babylou quatrième et Mélissa cinquième. Ouais ouais ouais. Alors que franchement j'avais dit à tout le monde, Babylou il est trop fort, vous allez voir, mon cul il a rien fait du tout. Voilà voilà, mais Chipone très fort. J'ai pas retenu tous les scores. Mais voilà, je sais, Chipone, il était à 100 et quelques. J'étais à 76, je crois. Megan devait pas être très loin, 74 peut-être. Babylou et Mélissa, je sais pas. J'ai pas retenu. Voilà, voilà. Mais c'était vraiment bien, franchement, à refaire le bowling. J'adore. Voilà, sinon ben, j'ai pas grand chose de neuf à vous raconter. Vous allez vous dire, la meuf elle parle face à elle, elle parle même pas face à la caméra. Je suis désolée, mais en fait je me dépêche là. Je dois encore enlever le vernis que j'ai sur mes ongles d'un coup. Donc voilà, je me dépêche, je vais faire un truc basique, hein, je pense. En plus, hier, je me suis fait draguer dans un kebab où on était invité par Chipone devant Islam en plus. Alors là, bon après les restaurateurs ils ont pris le parti d'Islam et ils nous ont dit sortez, sortez, on est sorti. Hein. Mais le gars, en plus, sapeur-pompier, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai peur des uniformes, hein, tout type. Et le gars c'est un noir, j'ai rien contre les noirs. Pompier donc. Et puis il a mangé en même temps que nous. En fait, Chipone et Islam se battaient pour savoir qui allait payer. Et puis le noir leur dit, ah bah c'est bien,
Nous, ici, on se bat pour savoir, enfin, au moment où on doit payer, les gens se cassent et vous vous battez pour savoir qui va payer. Et Supreme lui a répondu, ah bah nous, on est comme ça. Et à ce moment-là, le gars lève les yeux, me voit encore assise à table et dit, je sais pas s'il l'a dit à Supreme ou Islam, ah mais en plus, vous avez une belle femme. Il faut tout lui offrir, nanana. Je me sentais grave gênée, je savais plus où me mettre. En plus, j'étais la seule meuf du kebab. Tout le monde me regardait, j'avais honte, franchement, j'avais très honte. Mais bon, tant pis. Bon, là, je vais mettre de blush parce que voilà, on va faire un truc léger, hein. On n'a pas le temps. Voilà. Le truc qui sert à rien. 2 minutes, je vais chercher mon parfum. Me revoilà. Ne me demandez pas ce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert alors. Et ça sent ma grand-mère d'ailleurs. Je sais pas, Yoris. Vendeur. Je sais pas quoi. Bon, en tout cas, ils sont bons. Ça sent ma grand-mère. Bon, je vais vous emmener avec moi, ça sera mieux. Donc, là, il va faire sombre, attention. J'allume la lumière. Voilà. Là, je vais me coiffer maintenant, parce que sinon, on sera jamais prête. Hein. Bon, déjà, si je suis prête. Ah, un jour, je me suis niqué la main. Ouais, là, vous êtes bien, je pense. Je me suis lavé les cheveux, mais j'ai pas fait de masque. Hein. J'ai juste fait un truc, vraiment là, j'ai juste lavé. Par contre, j'ai fait un truc très con. J'ai passé un peu d'aspiro et là je me brosse les cheveux. Truc qui sert à rien. C'est quoi ça? Ah bah super. J'ai 2 belles plaques sur le côté là. Bon. Oui donc je me suis lavé les cheveux parce qu'hier nous sommes rentrés sous la pluie donc on avait nos parapluies mais... Mais quand même, on a été trempé. Donc voilà. Ah. Il faut que je me manne, sinon je vais jamais être prête. Il est 11h30. Enfin voilà quoi. Je vais essayer de vous vloguer un peu, mais je pense pas grand chose parce que bon. Quand je suis en famille, je vlog pas, donc voilà. Mais je vais quand même vous montrer mes ongles, je pense. Et je vous mettrai toutes les infos pour ma cousine en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez, si vous habitez dans le coin, vous les faire faire. En sachant qu'elle se déplace aussi. Elle se déplace, c'est juste plus cher. Et si c'est vous qui vous déplacez jusque chez elle, bah, c'est moins cher. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Bon, je vais vous laisser là pour l'instant, le temps de me préparer parce que sinon ça va durer du plomb. Bisous! Regardez ça. Nuage mange du parmesan. Il en est dingue. Ça, le pâté de foie de canard, là, pendant la mousse de canard au Porto. Qu'est-ce qu'il mange d'autre? Des olives. Ce chat ne mange pas comme un chat normal. Il adore le parmesan, mais il déteste le chèvre. Il me fait trop rire. Il me fait trop rire ce chat. Hello! Nous sommes samedi 3, 4, je sais pas. Bref, ce sera marqué. Il est 9h et quelques. 9h30. Et je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me réveiller. Je me suis réveillée il y a... 1 heure à peu près, même plus d'une heure, mais bon. Bon, donc c'est un peu le bordel chez moi, comme vous pouvez le voir. Je viens de vous mettre sur Insta la publication de mes ongles là, que ma cousine m'a super bien fait. Je revenais surtout pour ça, parce qu'en fait, aujourd'hui il n'y a rien de prévu, et demain non plus, enfin voilà, bébé loup travaille. Et moi je suis seule à la maison, donc je pense que je vais en profiter pour faire mes devoirs. Là je suis en plein soleil, ça devrait le faire. Non, ça va faire trop blanc.
Donc je revenais juste pour vous faire un retour sur mes ongles. Donc voilà, j'ai choisi. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. Non, focus, jamais. Bon. Bref, c'est pas grave. J'essaierai de vous glisser la photo Insta dans la vidéo. Donc j'étais bien. Pourquoi je bouge? J'étais bien là au soleil. Donc c'est ma cousine qui l'a fait en fait. Elle a passé une formation il n'y a pas longtemps et elle l'a fait super bien. J'ai pas eu mal, j'ai pas fait de réaction allergique ni rien. Ils sont beaux. Enfin voilà. J'ai pas mis de capsule. Hein, donc si vous les trouvez courts, c'est juste mes ongles normaux qu'elle a abîmés. Donc voilà. Et j'y retourne dans un mois pour faire une autre manucure, une autre couleur. C'est vachement intéressant. Je ne vous dis pas ces tarifs ici. Hein. Si vous les voulez, vous irez la voir. Je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Mais parce qu'elle est beaucoup moins chère que les instituts. Hein. Okay. Elle fait ça chez elle et elle se déplace aussi. Mais c'est mieux d'être chez elle parce que elle a tout son matériel et voilà quoi. Enfin, c'est assez conséquent à embarquer quoi. Voilà. Donc je réessaye. Ah, peut-être qu'avec cette main-là, vous allez mieux voir. Je sais pas. Bon bref, je réessaye ici. Donc c'est du rose et du argenté. Et puis voilà. Sinon, pas grand-chose. Hein. Je vais faire mes devoirs maintenant. Ça m'enchante. J'ai une plaque là depuis ce matin. Ah, et le peignoir, c'est aussi à ma cousine, puisqu'on se refile nos vêtements. Enfin, surtout elle me refile ses vêtements. Et donc voilà, je l'ai mis et j'adore. Parce qu'ici, c'est tellement mal isolé qu'on a froid même quand le chauffage est à 21. Donc voilà. Et si vous avez entendu du bruit, c'est les nuages qui fait le couillon pendant que je parle. Comme à son habitude. Voilà. Bon, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce que j'ai rien de très intéressant à dire ni à montrer aujourd'hui. Et je vais vous le monter. Bon, ça sera un petit vlog de semaine, mais bon, hein. Et bien sûr, oui, j'oublie toujours de vous vlogger quand je suis à l'extérieur. Mais bon, en même temps, c'est pas naturel chez moi de. Voilà. Vous avez vu la seule fois où j'ai osé vous vlogger à l'extérieur, il y a un mec qui s'est incrusté dans la vidéo. Voilà quoi. Enfin, c'est même pas moi qui ai osé, c'est Mélissa. Donc. Voilà. Il fait beau. C'est dommage. Parce que je vais faire mes devoirs. Bon, allez. Bon, alors finalement, je n'ai pas clôturé le vlog. Je me demandais ce que j'allais faire. Bon, c'est journée pyjama. Hein. Si vous vous demandiez pourquoi je suis dans cet état. Parce que, ouais, donc j'ai eu l'excellente idée, aujourd'hui seulement, de vouloir faire les photos du mariage et donc de créer mon album photo. J'ai essayé plusieurs sites. J'ai commencé sur Cheers parce que j'avais un code promo à utiliser et finalement sur Cheers il y a eu un problème pour mes photos. Donc j'ai dit ok, oui, j'arrivais pas à télécharger mes photos en fait. Donc j'ai dit ok, tant pis. Je vais sur mon album photo. Mon album photo, premier essai, j'ai eu une coupure internet parce que je suis internet bug quotidiennement. Donc j'ai dit ok, super. Donc ça avait téléchargé aucune photo. Là, j'ai réessayé encore une fois. Ça m'a téléchargé 3 photos sur les 50 et quelques. Je recommence. J'en resélectionne 50. Il n'y en a que 28 qui sont. Enfin, 28, donc non, 25. 25 qui sont téléchargés et le truc qui bug, il s'éteint. Obligé de recommencer. Donc là. Là, là. Vous voyez, attendez. C'est le bordel. Je vous montre ça comme une merde. Voilà. Là, je recommence. Nous sommes à 22 photos sélectionnées. Il en manque encore pas mal. Mais. Vu qu'il n'y a que 2 photos téléchargées sur les 22, eh ben j'ai décidé d'attendre qu'il les télécharge. Voilà, comme ça je ne serai pas déçue. Mais ça risque d'être très long. Donc Islam va rentrer, parce que là il est 15h22. Islam va rentrer. Et puis voilà, il va voir que je suis et d'une une loque humaine, et de deux, que j'avance absolument pas sur notre projet de faire un album photo là. Mais vraiment pas quoi. Et encore, ça c'est que pour l'album photo, parce qu'après il y a les tirages individuels que je veux faire pour offrir. Donc voilà, c'est bien. On est mal barré. On est mal barré. Bon, alors je reviens vers vous le lendemain, toujours en pyjama, bien évidemment. C'est mon dernier week-end, hein, j'en profite. Donc dans le coup, je vois le bordel que Nuage vient de me foutre par terre. Finalement, donc je sais plus, j'ai essayé sur Cheers et après sur
je sais plus sur quoi, enfin bon bref, ça n'avait pas marché, donc j'ai été sur Photobox et là, miracle. Le site le plus simple d'utilisation, je crois. Donc j'ai tout fait sur Photobox, le livre, les tirages, tout ça. Et je pense que je recommanderais sur Photobox une grande toile pour mettre dans notre prochaine maison, puisque là, ici, ça sert à rien. Mais voilà, une grande toile de nous deux en mariée, peut-être. Sinon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Oui, donc juste, j'ai pas clôturé le vlog fin de semaine, donc je vais le faire maintenant. Et je voulais aussi vous remercier parce que j'ai vu sur YouTube, on est 40, enfin vous êtes 40 à me suivre. Donc bah, je voulais vous remercier pour ça, c'est très gentil, merci. J'espère que mon contenu vous plaira, puisqu'il change tout le temps. Et des fois un peu abruptement sans que je prévienne. Donc voilà, mais j'étais agréablement surprise. Et puis bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, puis bah, dans le coup, je vous reprends demain pour un autre vlog de semaine. Bon, demain j'ai des cours le matin, après je passe à l'agence de demander mes fiches de paye et puis je rentre à la maison parce que je ne travaille pas demain finalement. Voilà, puisque le bébé est malade, donc moi je n'y vais pas. Donc bah ça va être encore une journée tranquille, je pense. Voilà. Puis bon, vous verrez bien dans le vlog, hein. Voilà. Bon, je vais vous faire des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt, à demain, dans un prochain vlog.